et le film de François-Charles Opédé, le seul film corse à être sélectionné dans le cadre de cette 17e édition du festival Corsica Doc. François-Charles, bonsoir. Déjà, votre réaction pour cette sélection ? Ah, c'est extrêmement excitant et un grand honneur d'être sélectionné par le festival Corsica Doc, que je remercie, et en compétition, ce qui est une première pour le film. Il a déjà été sélectionné en festival, mais c'est la première fois où il est en compétition, donc je suis très très excité et ému. Alors, pour réaliser ce film, vous avez passé 5 années et vous avez démarché 150 personnes. Ça a été facile pour obtenir ces témoignages ? Ah non, ça a été extrêmement difficile d'obtenir ces témoignages, mais c'est ce qui fait la rareté et la qualité, enfin pas la qualité, mais l'intérêt du film en tout cas. C'est que c'était extrêmement complexe et que la parole des témoins du film est ultra précieuse. Même si 80% des personnes témoignent, mais de façon anonyme. Oui, ça dit encore la difficulté de pouvoir s'assumer. Alors, dans un dispositif cinématographique et médiatique déjà, mais au-delà de ça, ça dit quelque chose, ce ratio de personnes qui ne veulent pas témoigner dans un film, d'autres qui acceptent de le faire de façon anonyme, et d'autres, la toute petite minorité, qui est capable de le faire à visage découvert. Alors, ce que vous avez constaté, finalement, c'est que toutes ces personnes n'ont pas forcément subi des violences. En revanche, l'homosexualité a toujours posé un problème dans leur trajectoire. Expliquez-nous. Oui, c'est un problème d'acceptation d'abord personnelle qui peut être compliqué. Ça, c'est un petit peu le point commun, je pense, qui est l'élément commun entre tous. Après, effectivement, il y en a pour qui c'est plus simple et d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué dans leur famille et d'autres qui, malheureusement, subissent des discriminations au travail, des agressions sexuelles, de la violence ou des agressions verbales comme le film le représente. Pourquoi c'est plus compliqué d'être homosexuel en Corse ? Parce que c'est plus compliqué de ne pas correspondre à la norme. C'est juste ça. La société est plus patriarcale encore que sur le continent ? Oh, ça c'est des généralités, je ne saurais pas répondre, mais c'est, en tout cas il y a une société, une culture ancrée, dominante, et dès lors qu'on sort d'une norme, c'est compliqué, mais ça peut se retrouver à d'autres endroits aussi. Mais effectivement, oui, l'homosexualité continue, ou peut continuer de poser problème, mais on avance. Le fait que ce film existe, que des institutions le financent, que des gens viennent le voir, que des festivals le programment, ça signifie qu'il y a quelque chose de collectif pour aussi avancer sur ces enjeux, et en Corse, qui est très présent aussi, donc il ne faut pas voir que l'aspect sombre, il y a aussi une volonté d'avancer sur ces sujets-là. François-Charles, merci, bonne chance pour la sélection.